Oui, allez, va. Hello, j'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui sont nouvelles sur cette chaîne, bienvenue, ça me fait super plaisir que vous soyez là. Alors, donc là je suis en vacances. Aujourd'hui il fait pas très beau, donc je suis dans ma chambre avec un sweat et un legging. C'est un peu décevant. Mais ce matin il faisait plutôt chaud, donc du coup j'ai mis mon maillot de bain. Je suis allée faire ma petite nage du matin. C'est mon petit rituel là depuis qu'on est arrivé, parce qu'en fait on a un quartier avec plusieurs bungalows. Il y a quoi? Il y a peut-être 6 ou 7 bungalows. Et en fait, il y a une piscine privatisée juste pour nous. Et concrètement, comme il y a genre 2 bungalows qui sont occupés dans le quartier où on est, en fait, on a la piscine pour nous tout seul. Tous les matins, je me fais ma petite nage du matin. Je prends un peu le soleil. Mais là, ouais, je sais pas pourquoi, ça s'est un peu couvert. Il y a un vent qui est très très frais. Qui s'est levé. Donc j'ai mon sweat, je suis dans ma chambre en train de regarder un épisode de Peaky Blinders. Donc je sais, je suis très 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 en retard, j'en suis seulement à la fin de la saison 1. Tout le monde me disait toujours qu'il fallait que je la regarde, mais en fait le fait qu'il y ait déjà 6 saisons à regarder, ça me rebutait un peu. Mais voilà, je m'y suis mise et donc là je regarde ça. Quelle heure il est? Il est pratiquement 4h et à 4h45 j'ai rendez-vous au spa, puisque évidemment à chaque fois que je suis en vacances je me fais un petit kiff, je vais au spa. Donc là je me fais un premier soin dans à peu près une demi-heure et j'en ferai un autre la semaine prochaine, autant profiter. Donc là le soin que je vais faire c'est un truc qui est très complet, donc j'ai un gommage du corps, enveloppement, massage et soin du visage express. Là j'avoue que depuis le début de la semaine on est très... on se repose, on bulle, on fait pas grand chose. Là 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 là. Mais bah, c'est aussi ça les vacances hein, de toute manière, c'est de pas faire grand chose. Donc, de chasser les papillons. De quoi t'as dit? De chasser les papillons. De chasser les papillons, n'importe quoi. Enfin si, ah bah oui d'accord. Donc en fait là ma petite soeur vient de prendre son appareil photo et elle va effectivement chasser les papillons. Donc ouais, elle va essayer d'aller faire des photos. Mais donc ouais, là dans à peu près une demi-heure je vais aller au spa me faire un petit soin. Ça va faire beaucoup de bien. Rentrée du spa, donc c'était un spa spécialisé pure altitude et évidemment j'ai acheté des trucs. Donc j'ai pris la crème pour le corps velours de neige qu'ils ont utilisée pendant le soin. Je trouvais qu'elle sentait déjà super bon et en plus elle est vraiment bien hydratante. J'ai pris aussi la crème visage qu'ils ont utilisée pendant le soin, donc c'est la crème Edelweiss numéro 1. Pareil, elle a une odeur absolument incroyable et je trouve qu'elle hydrate très très bien. En fait elle est à la fois légère et très hydratante. J'ai aussi pris un petit baume à lèvres parce que j'ai presque fini le mien et celui-ci il est incroyable. Et elles ont été super sympas aussi, elles m'ont offert un masque en tissu. Donc il est réutilisable, apparemment on peut l'utiliser deux fois. Donc je vais tester ça. Et elles m'ont aussi mis pas mal de petits échantillons. Je viens de sortir d'un cours de pilates. Je m'étais dit que pendant les vacances j'allais pas trop faire de sport parce que c'est vrai que j'ai besoin, enfin mon corps a besoin de se reposer, mais au final j'ai été au pilates. J'ai lâché tout le monde pour le truc de training HIIT juste après. Mon père a eu le courage d'y aller, moi je suis partie. Mais en vrai ça fait du bien, ça redonne un petit peu, un petit coup de boost, un petit coup d'énergie. Et comme vous voyez il fait pas très chaud, du coup j'ai un méga pull, c'est un peu triste. Après non, en vrai il fait bon, mais moi j'ai froid. On a des biches juste derrière notre chambre et elles sont vraiment pas sauvages, elles sont magnifiques.
je pense que j'ai trouvé les meilleurs profiteroles qui existent sur cette planète. Ils sont énormes. T'en penses quoi? C'est bon? Maman, elle a pris pareil. Papa, il a pris du fromage. Espèce de petit joueur qu'il est. Allez, première bouchée. Je pense que ça a plu à tout le monde. Il n'y a plus rien dans les assiettes. Maman, on voit pas ton assiette, mais c'est pas grave. Voilà. J'ai envie de tout acheter. Oh, le cœur là, il est magnifique. Le petit bretzel, il est trop mignon. Ceux-là sont plus petits, mais j'adore les détails. Genre celui-ci, par exemple, il y a un petit nounours, un petit bonhomme de neige. Ça, c'est des petits lutins. Oh, je trouve que celui-ci avec le sapin et les petites cloches, il est trop trop beau aussi. Oh, j'aime trop. Regardez là, il y a plein de tasses de Noël. Oh là là, celle avec les pains d'épices là, elle est mais beaucoup trop mignonne avec la petite cuillère qui va avec. Là, il y en a une avec la cigogne, donc le symbole de l'Alsace. Celle-ci elle est trop mignonne aussi, elle fait genre hyper cosy. Regardez tout en haut, il y a les horloges comme dans Pinocchio, genre que Gepetto il fait. C'est trop mignon. Et là, il y a un rayon de tasses de Noël, mais impressionnant. J'ai envie de tout acheter. Il y a un magasin qui s'appelle La Magie de Noël. Et regardez, en fait, c'est un magasin de Noël. Genre entièrement de Noël. Oh, le paradis. Mon Dieu, je vais mourir. Il y a plein de décorations. Regardez, là en dessous, il y a plein de des boules à neige. Plein de déco, mais elles sont trop trop belles. C'est trop mignon, le petit cœur comme ça. Ah mais ça casse, ouais, c'est pas une bonne idée avec moi ça. Oh, ça c'est le rayon qui est tout blanc. J'adore faire des sapins avec du blanc dedans. Elles sont trop trop belles. Oh ça c'est trop mignon. Petite peluche. Oh, j'ai envie de tout acheter. Mais tout ce mur là, il est absolument magnifique. Genre il y a des détails. Style celle-là, je sais pas si vous allez bien voir, si c'est bon. Les détails sont juste magnifiques. Oh, y en a une avec une petite chouette. Oh. Mais c'est en verre, ça casse. Faut pas mettre des trucs qui cassent, moi. Oh, le coquillage, il est trop trop beau aussi. Mais tout est beaucoup trop beau. Il y a des petites moufles et tout, là. Là j'ai trouvé le paradis du pain d'épices. Regardez, il y a des maisons en pain d'épices comme on fait à Noël. Là il y a des petits cœurs qui sont genre trop mignons. J'aime pas le pain d'épices mais j'ai envie d'en acheter quand même. Les petits sacs à dos. Oh ça c'est ultra mignon aussi. T'as acheté des trucs? Ouh. Plein de biscuits. De rentrer de Colmar, franchement si vous êtes dans le coin, allez-y, c'est une ville qui est magnifique, donc c'est ce que moi j'appelle une ville en pain d'épices parce qu'en fait c'est vraiment, vous savez,
les maisons clichés de l'Alsace. Donc ça me fait penser à Noël et ça me fait penser aux maisons en pain d'épices qu'on fait à Noël. Donc c'est une ville en pain d'épices, c'est QFD. Vraiment c'est une ville qui est très 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 belle. Les rues sont super mignonnes, il y a plein de petites boutiques. Il y a une boutique entière qui s'appelle la Magie de Noël, où il n'y a que des trucs de Noël. C'est un petit peu comme si en fait vous rentriez dans le Pôle Express. On rentre dans le Pôle Express, mais c'est un magasin. Si jamais aussi vous mangez sur place, je vous conseille grandement un restaurant qui s'appelle le Bistrot des Lavandières. On mange super bien, le personnel est adorable. Il y a une petite terrasse qui est trop trop mignonne juste en face de la place. Vraiment, allez-y. Nous on a pris... Donc en fait ça marche par menu. Donc vous pouvez choisir entre entrée plat dessert ou plat dessert, enfin voilà. Et en fait, peu importe ce que vous prenez comme plat et peu importe ce que vous prenez comme dessert, par exemple, ça vous coûtera le même prix. Donc nous, typiquement, on a pris plat et dessert et c'était, je crois, 29,90 par personne. Donc je trouve que c'est correct, surtout que les portions sont quand même assez... Enfin, en fait, c'est des portions qui sont vraiment bien, quoi. Elles sont assez importantes, mais elles sont pas trop grosses non plus. Mais ouais, vraiment un très 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 bon resto, je vous le conseille. Donc je vais vous montrer aussi ce que j'ai acheté, parce que évidemment j'ai acheté plein de trucs. On commence par un tout petit truc, c'est en fait une petite décoration de Noël, donc en bois. Donc c'est en forme de sapin et à l'intérieur c'est comme s'il y avait des petites biches dans la neige. Trop mignon. J'ai aussi pris une tasse évidemment. Pour les personnes qui me connaissent un petit peu ou qui me suivent sur Instagram depuis un petit moment, vous savez que j'ai une obsession pour les tasses, c'est-à-dire que partout où je vais, je ramène des tasses. Finalement, c'est une tasse sur le thème de Noël que j'arrive pas à ouvrir. C'est une petite tasse comme ça, avec donc ces deux petits bonhommes en pain d'épices. Il y a la cuillère qui va avec. J'ai trop trop hâte de l'utiliser, ça va être ma tasse à chocolat chaud au moment de Noël. Je vais clairement l'utiliser avant Noël, mais ça faut pas le dire. J'ai aussi pris... une paire comme ça de chaussettes, vous savez c'est les chaussettes en pilou-pilou là, toutes fluffy à l'intérieur, parce que pareil en hiver je passe ma vie avec ça, en plus elles ont un petit truc pour pas que ça dérape et je trouvais qu'elles faisaient vraiment très très festive. Il y en a un peu partout dans toutes les boutiques mais celle-ci c'était mes préférées. J'ai aussi pris des petits, donc c'est des espèces de petits bonhommes, vous savez c'est les petits biscuits là comme il y a dans Shrek par exemple, sauf qu'ils sont pas décorés et c'est des... J'ai été rejoint par un petit chien et une petite sœur. Donc je disais avant d'être interrompue que j'ai pris des petits bonhommes comme ça. Donc en fait c'est, vous savez, oui, c'est en forme de petits bonhommes en pain d'épices, sauf que c'est des bonhommes spéculoos. Et comme j'adore les spéculoos, pour moi les spéculoos c'est la vie, la cannelle c'est la vie. C'est déjà pas mal en vrai, je me suis retenue un petit peu. Si je m'étais écoutée j'aurais acheté déjà plein de trucs dans la boutique de Noël. Sauf que j'avoue que même si c'est magnifique, c'est des décorations qui sont quand même assez élaborées. Et le prix monte très très vite. Donc j'ai rien pris dans cette boutique là. Mais voilà, j'ai pris quand même 2-3 petits trucs de Noël. Donc là j'ai très très envie d'écouter des musiques de Noël. Je me retiens énormément de pas le faire. Parce qu'on va pas se mentir, écouter des musiques de Noël en juillet ça n'a aucun sens. Je sais pas si vous voyez bien à cause de la moustiquaire, mais la vue de ma chambre, elle est incroyable. Il y a toute la nature et tout. Et là-bas sur le côté, je vois l'enclos avec les biches. Il est un peu plus tard dans la journée, beaucoup plus tard dans la journée en vrai. J'ai pris ma douche, je me suis démaquillée. Comme j'arrive dans la mauvaise période du mois, je me suis rendu compte que j'avais plein de petits amis qui avaient débarqué sur mon visage. J'avoue que je suis fatiguée. Quand je suis en vacances, en général, je suis fatiguée. Genre, moins j'en fais, plus je suis fatiguée. C'est d'une logique implacable, évidemment. Demain, il y a un petit marché de producteurs et artisanal dans le village où je suis. Du coup, on va aller faire ça. J'aime beaucoup les marchés, en général. Je sais pas pourquoi, c'est un truc qui me plaît. C'est comme visiter les petites villes ou des choses comme ça. Aller dans les marchés, j'aime bien. Même s'il y a genre que des fruits et légumes, je sais pas pourquoi, j'aime bien les marchés. Oh, il y a un papillon de nuit. Je pense que je vais mettre un épisode de série. J'ai Riverdale à regarder, donc je pense que je vais faire ça et après je vais aller me coucher. Sur ce, je vais terminer ce vlog. J'espère que ça vous aura plu de passer quelques jours en vacances avec moi. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.